have the great energy to bring you in my country in May, and you will discover Maloya and all my friends in Réunion, and you will see the great, great power. Ben, pour moi, cette soirée-là, l'important en soi, parce que nous sommes en Thaïlande mercredi. Il y a 17 hommes là-bas, donc on emmène beaucoup d'artistes. Mais bonjour, je m'appelle Palina Michelou. Je viens du Québec, au Canada. Et je suis tombée sur cette magnifique exposition de Charlie. Et tout de suite, j'ai été charmée par la texture, l'image, les couleurs. On sent la vie avec la vie humaine, mais on sent aussi la texture de la nature. Donc on voit de la vie partout finalement. La vie dans la nature et la nature dans la vie. En tant qu'artiste, je suis comédienne au Québec. On sent tout de suite la texture, mais le vivant de ces toiles. Puis on parcourt les œuvres pour essayer de comprendre la culture d'un pays à un autre. Et vraiment, ici, c'est un endroit extraordinaire parce que on a des œuvres, vraiment, je dirais même des chefs-d'œuvre, parce que Charlie Lesquelin, de mon point de vue, fait partie vraiment des grands maîtres de la peinture réunionnaise. Et pour moi, c'est vraiment un privilège de côtoyer quelqu'un comme lui. C'est un artiste qu'on a une renommée internationale, en Asie, en Europe et ailleurs. Et tous les ans ou tous les deux ans, ça va en Thaïlande, ça va en Chine, en Malaisie, en Europe, sur Paris et autres. Donc sa renommée, maintenant, les bien établis. Voilà, donc pour moi, c'est un zarlord de notre culture. Alors bonjour les amis, bon ben moi c'est Daniel Fonker, il est un peintre de Fleurimont, un petit quartier dans les Hauts-de-Saint-Paul. Charlie il est là aussi, il est connu aussi pour, à part son bon tableau, son côté peintre, musicien, tout ça, il est là pour donner la main, pour ouvrir la porte, pour bons artistes, ben il n'est pas connu, il donne fait noir, il est dans les quartiers, tout ça, et donc il trouve ce geste-là, ce côté-là, ce grand cœur-là, parce qu'il lui pourrait, avec son notoriété, son réseau, il pourrait aller lui-même, quoi, au lieu, pour qu'il s'emmerde d'aller amener de monde avec lui, en plus gère un groupe et tout ça, il n'est pas évident. Donc du coup, le gars, il est là pour la culture, pour la Réunion, et surtout pour aider les autres. Donc après, c'est une grande famille, hein, donc il y en a sept yadéas, il quoi dire. Les deux dans la vie, la main vient.